Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Alex, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo Clash of Clans. Aujourd'hui les amis, vidéo très particulière parce que enfin les amis, je suis heureux puisque Clash of Clans a mis il y a très peu de temps, du coup hier soir, un tweet en nous disant petite surprise demain avec des sneak peeks pour la prochaine mise à jour. Donc tout simplement les potes, dès aujourd'hui normalement, dès cet après-midi vous aurez des vidéos sneak peeks sur ma chaîne les amis, parce qu'il va y avoir des sneak peeks pour la prochaine mise à jour. Alors on espère vraiment quelque chose de bien. Je croise les doigts les amis, franchement je pense que là on attend tous des choses de ouf, parce que comme vous le savez, il y a quelques semaines on a eu la MDO 7, la maison des ouvriers de niveau 7, mais il y en a énormément qui ont été déçus par rapport à ça, et du coup on attend réellement des choses sur le village principal. Et en plus on a aussi une petite information en plus, un petit peu exclue. Tout simplement sur le Clash of Clans FR, donc il y a eu tout simplement ce tweet, et il y a quelqu'un qui a demandé merci, mais est-ce qu'il y aura des nouveautés ou juste des améliorations de bâtiments? Et là le compte Clash of Clans FR, donc officiel, a répondu les deux avec un petit smiley, j'arrive pas à parler, mais du coup les deux, donc ça veut dire qu'il va y avoir de grosses nouveautés les amis pour la prochaine mise à jour qui devrait arriver normalement soit dans la semaine prochaine. Je vous l'avais dit les potes qu'il y aurait une grosse mise à jour en octobre. Pour moi le MDO7, il pouvait pas y avoir que ça, vraiment. Je pense réellement que Clash of Clans est au courant qu'en ce moment son jeu est très très mal, et ils vont tout faire pour essayer de le remonter avec du coup cette mise à jour là. Donc vraiment les amis, restez connectés, que ce soit sur ma chaîne ou sur la chaîne de mes collègues youtubeurs, parce qu'on va vous faire énormément de vidéos. En tout cas moi pour ma part, je vais essayer de tout donner les potes pour cette mise à jour, et j'attends réellement vraiment que Clash of Clans nous fasse une mise à jour de fou, tout simplement. Vraiment j'attends un truc de fou, j'espère qu'ils seront au tournant, parce que là je pense que moi et toute la communauté on attend vraiment des trucs de fou, que ce soit carrément un nouveau mode de jeu, une espèce de tournoi ou autre, ou alors carrément normalement vous aurez quelques petites images qui vont tourner un petit peu derrière, que ce soit par exemple des nouveaux bâtiments, ou alors carrément des nouvelles troupes, ou alors tout simplement, je sais pas, mais plein de choses, mais il y a énormément de choses qui peuvent arriver sur le jeu. Par exemple aussi il y avait John de Shibof Clan qui avait dit pourquoi pas un mode histoire, imaginez un mode histoire sur Clash of Clans. Il y a énormément d'idées qui peuvent arriver, et là réellement en ce moment Clash of Clans a vraiment besoin d'une mise à jour, parce que là tout le monde est en train de se lasser du jeu, que ce soit les youtubeurs, que ce soit les joueurs, que ce soit les top players, tout ce que vous voulez, il y a plein de monde qui sont en train de se lasser du jeu, et du coup il nous faut vraiment une mise à jour comme avant sur Clash of Clans. À l'époque il y avait énormément de mises à jour qui étaient tout simplement révolutionnaires sur le jeu, et là vraiment c'est ce qu'on attend tous. Bref, je vais pas vous embêter plus longtemps les amis, restez vraiment connectés, normalement vous aurez du coup une vidéo cet après-midi sur le premier sneak peek, vous en aurez également une demain, etc. Dès que les sneak peeks sortiront, je vais essayer de faire mon maximum pour vous sortir les vidéos le plus rapidement possible, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, et surtout les potes, dites-moi dans les commentaires ce que vous attendez pour la mise à jour. Moi je vous fais de très très gros bisous, et je vous dis du coup à tout à l'heure.